Chapitre 43. Dans la voiture qu'il emportait avec son oncle et sa tante, Elisabeth guettait l'apparition des bois de Pemberley avec une certaine émotion. Et lorsqu'ils franchirent la grille du parc, elle se sentit un peu troublée. Le parc était très vaste et d'aspect extrêmement varié. Ils y avaient pénétré par la partie la plus basse, après une montée d'un demi-mille environ, à travers une belle étendue boisée. Ils se trouvèrent au sommet d'une colline, d'où le regard était tout de suite frappé par la vue de Pemberley House, située de l'autre côté de la vallée, vers laquelle la route descendait, en lacet assez brusque. Le château, grande et belle construction en pierre, se dressait avantageusement sur une petite éminence derrière laquelle s'étendait une chaîne de hautes collines boisées. Devant le château, coulait une rivière assez importante que d'habiles travaux avaient encore élargie, mais sans donner à ses rives une apparence artificielle. Elisabeth était émerveillée. Jamais encore elle n'avait vu un domaine dont le pittoresque naturel eût été aussi bien respecté. La voiture descendit la colline, traversa le pont et vint s'arrêter devant la porte. Tandis qu'elle examinait de près l'aspect de la maison, la crainte de rencontrer son propriétaire vint de nouveau saisir Elisabeth. Si jamais la femme de chambre de l'hôtel s'était trompée? Son oncle ayant demandé si l'on pouvait visiter le château, on les fit entrer dans le hall, et pendant qu'ils attendaient l'arrivée de la femme de charge, Elisabeth put à loisir s'étonner de se voir en cet endroit. La femme de charge était une personne âgée, d'allure respectable, moins importante et beaucoup plus empressée qu'Elisabeth ne s'y attendait. Tous trois la suivirent dans la salle à manger. Après avoir jeté un coup d'œil à cette vaste pièce de proportions harmonieuses et somptueusement meublée, Elisabeth se dirigea vers la fenêtre pour jouir de la vue. La colline boisée qu'il venait de descendre et qui, à distance, paraissait encore plus abrupte, formait un admirable vis-à-vis. Le parc, sous tous ses aspects, était charmant, et c'était avec ravissement qu'elle contemplait la rivière, bordée de bouquets d'arbres, et la vallée sinueuse aussi loin que l'œil pouvait en suivre les détours. Dans chaque salle où l'on passait, le point de vue changeait, et de chaque fenêtre, il y avait de nouvelles beautés à voir. Les pièces étaient de vastes proportions, et le mobilier en rapport avec la fortune du propriétaire. Elisabeth nota avec une certaine admiration qu'il n'y avait rien de voyant ou d'inutilement somptueux comme à Rosings. Et dire que de cette demeure je pourrais être la châtelaine, songeait-elle. Ces pièces seraient pour moi un décor familier. Au lieu de les visiter comme une étrangère, je pourrais y recevoir mon oncle et ma tante. Mais non, pensa-t-elle en se ressaisissant. Cela n'aurait pas été possible. Mon oncle et ma tante auraient été perdus pour moi. Jamais je n'aurais été autorisée à les recevoir ici. Cette réflexion arrivait à point pour la délivrer de quelque chose qui ressemblait à un regret. Il lui tardait de demander à la femme de charge si son maître était réellement absent, mais elle ne pouvait se résoudre à le faire. Enfin, la question fut posée par son oncle, auquel Mme Reynolds répondit affirmativement en ajoutant « Mais nous l'attendons demain, avec plusieurs amis. »« Quelle chance, songea Elisabeth, que notre excursion n'ait point été retardée d'une journée. » Sa tante l'appelait à cet instant, pour lui montrer, parmi d'autres miniatures suspendues au-dessus d'une cheminée, le portrait de Wickham. Et comme elle lui demandait en souriant ce qu'elle en pensait, la femme de charge s'avança. « Ce portrait, leur dit-elle, était celui d'un jeune gentleman, fils d'un régisseur de son défunt maître, que celui-ci avait fait élever à ses frais. Il est maintenant dans l'armée, ajouta-t-elle, mais je crains qu'il n'ait pas fort bien tourné. » Madame Gardiner regarda sa nièce avec un sourire qu'Elisabeth ne put lui retourner. « Voilà maintenant le portrait de mon maître, dit Madame Reynolds, en désignant une autre miniature. Il est fort ressemblant. » Les deux portraits ont été faits à la même époque, il y a environ 8 ans. J'ai entendu dire que votre maître était très bien de sa personne, dit Madame Gardiner en examinant la miniature.
Voilà certainement une belle physionomie. Mais vous, Lizzie, vous pouvez nous dire si ce portrait est ressemblant? Cette jeune demoiselle connaîtrait-elle Monsieur Darcy? Demanda la femme de charge en regardant Elisabeth avec une nuance de respect plus marquée. Un peu, répondit la jeune fille en rougissant. N'est-ce pas, mademoiselle, qu'il est très bel homme? Certainement. Pour ma part, je n'en connais pas d'aussi bien. Dans la galerie au premier, vous verrez de lui un portrait plus grand et plus beau. Cette chambre était la pièce favorite de mon défunt maître. Il tenait beaucoup à ses miniatures et on les a laissées disposer exactement comme elles l'étaient de son temps. Elisabeth comprit alors pourquoi la miniature de Wickham se trouvait là, parmi les autres. Madame Reynolds appela leur attention sur un portrait de Miss Darcy à l'âge de 8 ans. Miss Darcy est-elle aussi bien que son frère? Demanda Madame Gardiner. Oui, madame. C'est une fort belle jeune fille et si bien douée. Elle fait de la musique et chante toute la journée. Dans la pièce voisine, il y a un nouvel instrument qui vient d'être apporté pour elle, un cadeau de mon maître. Elle arrive demain avec lui. Monsieur Gardiner, toujours aimable et plein d'aisance, encourageait ce bavardage par ses questions et ses remarques. Soit fierté, soit attachement, Madame Reynolds avait évidemment grand plaisir à parler de ses maîtres. Monsieur Darcy réside-t-il souvent à Pemberley? Pas autant que nous le souhaiterions, monsieur, mais il est bien ici la moitié de l'année et Miss Darcy y passe tous les mois d'été. Excepté quand elle va à Ramsgate, pensa Elisabeth. Si votre maître se mariait, il passerait sans doute plus de temps à Pemberley. Probablement, monsieur. Mais quand cela arrivera-t-il? Je ne connais pas de demoiselle qui soit assez bien pour lui. Monsieur et Madame Gardiner sourirent. Elisabeth ne put s'empêcher de dire. Assurément, ce que vous dites est tout à son honneur. Je ne dis que la vérité, et ce que peuvent vous répéter tous ceux qui le connaissent, insista Madame Reynolds. Elisabeth trouva qu'elle allait un peu loin, et sa surprise redoubla quand elle l'entendit ajouter. Je n'ai jamais eu de lui une parole désagréable, et quand je suis entrée au service de son père, il n'avait pas plus de 4 ans. Cette louange, plus encore que la précédente, dérouta Elisabeth. Que Darcy eût un caractère difficile, c'est de quoi jusque-là elle avait eu la ferme conviction. Elle souhaitait vivement en entendre davantage et fut très reconnaissante à son oncle de faire cette réflexion. Il y a peu de gens dont on puisse en dire autant. Vous avez de la chance d'avoir un tel maître. Oui, monsieur. Je sais bien que je pourrais faire le tour du monde sans en rencontrer un meilleur. Mais il n'a fait que tenir ce qu'il promettait dès son enfance. C'était le caractère le plus aimable et le cœur le plus généreux qu'on pût imaginer. Son père était un homme excellent, dit Madame Gardiner. Oui, madame, c'est la vérité. Et son fils lui ressemble. Il est aussi bon pour les malheureux. Elisabeth s'étonnait, doutait et désirait toujours en entendre plus. Ce que Madame Reynolds pouvait raconter au sujet des tableaux, des dimensions des pièces ou de la valeur du mobilier n'avait plus pour elle aucun intérêt. Monsieur Gardiner, extrêmement amusé par l'espèce d'orgueil familial auquel il attribuait l'éloge démesuré que la femme de charge faisait de son maître, ramena bientôt la conversation sur le même sujet. Et tout en montant le grand escalier, Madame Reynolds énuméra chaleureusement les nombreuses qualités de Monsieur Darcy. « C'est le meilleur propriétaire et le meilleur maître qu'on puisse voir, non pas un de ces jeunes écervelés d'aujourd'hui qui ne songent qu'à s'amuser. Vous ne trouverez pas un de ses tenanciers ou de ses domestiques pour dire de lui autre chose que du bien. Certaines gens, je le sais, le trouvent fier. Pour moi, je ne m'en suis jamais aperçue. C'est, j'imagine, parce qu'il est plus réservé que les autres jeunes gens de son âge. Sous quel jour avantageux tout ceci le fait voir, pensa Elisabeth. La façon dont il s'est conduit avec notre pauvre ami ne correspond guère à ce beau portrait, chuchota Madame Gardiner à l'oreille de sa nièce. Peut-être avons-nous été trompés? C'est peu probable. Nos renseignements viennent de trop bonnes sources.
Lorsqu'ils eurent atteint le vaste palier de l'étage supérieur, Madame Reynolds les fit entrer dans un très joli boudoir, clair et élégant, et leur expliqua qu'ils venaient d'être installés pour faire plaisir à Miss Darcy, qui s'était enthousiasmée de cette pièce durant son dernier séjour. « Monsieur Darcy est vraiment très bon frère, » dit Elisabeth en s'avançant vers l'une des fenêtres. Madame Reynolds riait d'avance à l'idée du ravissement de sa jeune maîtresse quand elle pénétrerait dans ce boudoir. « Et c'est toujours ainsi qu'il agit, » ajouta-t-elle. « Il suffit que sa sœur exprime un désir pour le voir aussitôt réalisé. Il n'y a pas de chose au monde qu'il ne ferait pour elle. » Il n'en restait plus à voir que deux ou trois des chambres principales et la galerie de tableaux. Dans celle-ci, il y avait beaucoup d'œuvres de valeur, mais Elisabeth, qui ne s'y connaissait point, préféra se diriger vers quelques fusains de Miss Darcy, dont les sujets étaient plus à sa portée. Puis elle se mit à passer rapidement en revue les portraits de famille, cherchant la seule figure qu'elle put y reconnaître. À la fin, elle s'arrêta devant une toile dont la ressemblance était frappante. Elisabeth y retrouvait le sourire même qu'elle avait vu quelquefois à Darcy lorsqu'il la regardait. Elle resta quelques instants en contemplation et ne quitta point la galerie sans être revenue donner un dernier coup d'œil au tableau. En cet instant, il y avait certainement dans ses sentiments, à l'égard de l'original, plus de mansuétude qu'elle n'en avait jamais ressentie. Les éloges prodigués par Madame Reynolds n'étaient pas de qualité ordinaire. Et quelle louange a plus de valeur que celle d'un serviteur intelligent ? Comme frère, maître, propriétaire, songeait Elisabeth, de combien de personnes M. Darcy ne tenait-il pas le bonheur entre ses mains ? Que de bien ou que de mal il était en état de faire ? Tout ce que la femme de charge avait raconté était entièrement en son honneur. Arrêtée devant ce portrait dont le regard semblait la fixer, Elisabeth pensait au sentiment que Darcy avait eu pour elle, avec une gratitude qu'elle n'avait jamais encore éprouvée. Elle se rappelait la chaleur avec laquelle ce sentiment lui avait été déclaré, et oubliait un peu ce qui l'avait blessé dans son expression. Quand la visite fut terminée, ils redescendirent au rez-de-chaussée, et prenant congé de la femme de charge, trouvèrent le jardinier qui les attendait à la porte d'entrée. En traversant la pelouse pour descendre vers la rivière, Elisabeth se retourna pour jeter encore un coup d'œil à la maison. Ses compagnons l'imitèrent, et pendant que son oncle faisait des conjectures sur la date de la construction, le propriétaire en personne apparut soudain sur la route qui venait des communs, située en arrière du château. 20 mètres à peine les séparaient. Et son apparition avait été si subite qu'il était impossible à Elisabeth d'échapper à sa vue. Leurs yeux se rencontrèrent et tous deux rougirent violemment. Monsieur Darcy tressaillit et resta comme figé par la surprise. Mais, se ressaisissant aussitôt, il s'avança vers le petit groupe et adressa la parole à Elisabeth, sinon avec un parfait sang-froid, du moins avec la plus grande politesse. Celle-ci, en l'apercevant, avait esquissé instinctivement un mouvement de retraite, mais s'arrêta en le voyant approcher et reçut ses hommages avec un indicible embarras. Monsieur et Madame Gardiner devinèrent fatalement qu'ils avaient sous les yeux Monsieur Darcy lui-même, grâce à la ressemblance avec le portrait, grâce aussi à l'expression de surprise qui se peignit sur le visage du jardinier à la vue de son maître. Ils restèrent tous deux un peu à l'écart pendant qu'ils s'entretenaient avec leur nièce. Celle-ci, étonnée et confondue, osait à peine lever les yeux sur lui et répondait au hasard aux questions courtoises qu'il lui posait sur sa famille. Tout étonnée du changement survenu dans ses manières depuis qu'elle ne l'avait vu, elle sentait à mesure qu'il parlait croître son embarras. L'idée qu'il devait juger déplacer sa présence en ces lieux lui faisait de cet entretien un véritable supplice. Monsieur Darcy lui-même ne semblait guère plus à l'aise. Sa voix n'avait pas sa fermeté habituelle, et la façon dont, à plusieurs reprises, il la questionna sur l'époque où elle avait quitté Longbourn et sur son séjour en Derbyshire, marquait clairement le trouble de son esprit. À la fin,
Toute idée sembla lui manquer et il resta quelques instants sans dire un mot. Enfin, il retrouva son sang-froid et prit congé. Monsieur et Madame Gardiner, rejoignant leur nièce, se mirent à louer la belle prestance de Monsieur Darcy. Mais Elisabeth ne les entendait pas, et tout absorbée par ses pensées, elle les suivait en silence. Elle était accablée de honte et de dépit. Cette visite à Pemberley était un acte des plus inconsidérés et des plus regrettables. Comme elle avait dû paraître étrange à Monsieur Darcy, il allait croire qu'elle s'était mise tout exprès sur son chemin. Quelle fâcheuse interprétation pouvait en concevoir un homme aussi orgueilleux? Pourquoi? Oh, pourquoi était-elle venue? Et lui-même, comment se trouvait-il là un jour plus tôt qu'on ne l'attendait? Elisabeth ne cessait de rougir en déplorant la mauvaise chance de cette rencontre. Quant au changement si frappant des manières de M. Darcy, que pouvait-il signifier? Cette grande politesse, l'amabilité qu'il avait mise à s'enquérir de sa famille, jamais elle ne l'avait vue aussi simple. Jamais elle ne l'avait entendu s'exprimer avec autant de douceur. Quel contraste avec leur dernière rencontre dans le parc de Rosings, lorsqu'il lui avait remis sa lettre. Elle ne savait qu'en penser. Il suivait maintenant une belle allée longeant la rivière, et à chaque pas surgissaient de nouveaux et pittoresques points de vue. Mais tout ce charme était perdu pour Elisabeth. Elle répondait sans entendre et regardait sans voir. Sa pensée était à Pemberley House avec M. Darcy. Elle brûlait de savoir ce qui s'agitait dans son esprit en ce moment. Avec quel sentiment il pensait à elle et si, contre toute vraisemblance, son amour durait encore. Peut-être n'avait-il montré tant de courtoisie que parce qu'il se sentait indifférent. Pourtant, le ton de sa voix n'était pas celui de l'indifférence. Elle ne pouvait dire si c'était avec plaisir ou avec peine qu'il l'avait revue, mais certainement, ce n'était pas sans émotion. À la longue, les remarques de ses compagnons sur son air distrait l'attirèrent de ses pensées, et elle sentit la nécessité de retrouver sa présence d'esprit. Bientôt, les promeneurs s'enfoncèrent dans les bois et, disant adieu pour un moment au bord de l'eau, gravirent quelques-uns des points les plus élevés d'où des éclaircies leur donnaient des échappées ravissantes sur la vallée, sur les collines d'en face recouvertes en partie par des bois et par endroits sur la rivière. Monsieur Gardiner ayant exprimé le désir de faire tout le tour du parc, il lui fut répondu, avec un sourire triomphant, que c'était une affaire de 10 000. Un tel chiffre tranchait la question, et l'on poursuivit le circuit ordinaire qui, après une descente à travers bois, les ramena sur le bord de l'eau. La vallée, à cet endroit, se resserrait en une gorge qui ne laissait de place que pour la rivière et les trois sentiers qui la longeaient à travers le taillis. Elisabeth aurait bien désiré en suivre les détours, mais quand ils eurent traversé le pont et se furent rendus compte de la distance qui les séparait encore du château, Madame Gardiner, qui était médiocre marcheuse, ne se soucia pas d'aller plus loin, et sa nièce dut se résigner à reprendre sur l'autre route le chemin le plus direct. Le retour s'accomplit lentement. Monsieur Gardiner, grand amateur de pêche, s'attardait à interroger le jardinier sur les truites et à guetter leur apparition dans la rivière. Pendant qu'ils avançaient ainsi à petits pas, ils eurent une nouvelle surprise et, non moins étonnée qu'à la précédente rencontre, Elisabeth vit paraître à peu de distance Monsieur Darcy, qui se dirigeait de leur côté. L'allée qu'ils suivaient, moins ombragée que celle de l'autre rive, leur permettait de le voir s'approcher. Elisabeth, mieux préparée cette fois à une entrevue, plus de sang-froid s'il avait vraiment l'intention de les aborder. Peut-être, après tout, allait-il prendre un autre chemin? Un tournant qui le déroba à leur vue le lui fit croire un instant, mais le tournant dépassé, elle le trouva immédiatement devant elle. Un coup d'œil lui suffit pour voir qu'il n'avait rien perdu de son extrême courtoisie. Ne voulant pas être en reste de politesse, elle se mit, dès qu'il l'eut abordée, à vanter les beautés du parc. Mais,
À peine eut-elle prononcé les mots « délicieux, charmant » que des souvenirs fâcheux lui revinrent. Elle s'imagina que dans sa bouche, l'éloge de Pemberley pouvait être mal interprété, rougit et s'arrêta. Madame Gardiner était restée en arrière. Lorsqu'Elisabeth se tut, M. Darcy lui demanda si elle voulait bien lui faire l'honneur de le présenter à ses amis. Nullement préparée à une telle requête, elle put à peine réprimer un sourire, car il demandait à être présenté aux personnes mêmes dont il considérait la parenté humiliante pour son orgueil, quand il lui avait fait la déclaration de ses sentiments. « Quelle va être sa surprise ? » pensait-elle. « Il les prend sans doute pour des gens de qualité. » La présentation fut faite aussitôt, et en mentionnant le lien de parenté qui l'unissait à ses compagnons, elle regarda furtivement M. Darcy pour voir comment il supportait le choc. Il le supporta vaillamment, bien que sa surprise fût évidente. Et loin de fuir, il rebroussa chemin pour les accompagner et se mit à causer avec M. Gardiner. Elisabeth exultait. À sa grande satisfaction, M. Darcy pouvait voir qu'elle avait des parents dont elle n'avait pas à rougir. Attentive à leur conversation, elle notait avec joie toutes les phrases, toutes les expressions qui attestaient l'intelligence, le goût et la bonne éducation de son oncle. La conversation tomba bientôt sur la pêche et elle entendit M. Darcy, avec la plus parfaite amabilité, inviter M. Gardiner à venir pêcher aussi souvent qu'il le voudrait durant son séjour dans le voisinage, offrant même de lui prêter des lignes et lui indiquant les endroits les plus poissonneux. Madame Gardiner, qui donnait le bras à sa nièce, lui jeta un coup d'œil surpris. Elisabeth ne dit mot, mais ressentit une vive satisfaction. C'était à elle que s'adressaient toutes ces marques de courtoisie. Son étonnement, cependant, était extrême, et elle se répétait sans cesse. Quel changement extraordinaire ! Comment l'expliquer ? Ce n'est pourtant pas moi qui en suis cause. Ce ne sont pas les reproches que je lui ai faits à Hunsford qui ont opéré une telle transformation. C'est impossible qu'il m'aime encore. » Ils marchèrent ainsi pendant quelque temps, Madame Gardiner et sa nièce en avant et les deux messieurs à l'arrière-garde. Mais après être descendus sur la rive pour voir de plus près une curieuse plante aquatique, il se produisit un petit changement. Madame Gardiner, fatiguée par l'exercice de la matinée et trouvant le bras d'Elisabeth insuffisant pour la soutenir, préféra s'appuyer sur celui de son mari. M. Darcy prit place auprès de sa nièce et ils continuèrent à marcher côte à côte. Après une courte pause, ce fut la jeune fille qui rompit le silence. Elle tenait à ce qu'il apprît qu'en venant à Pemberley, elle se croyait sûre de son absence. Aussi commença-t-elle par une remarque sur la soudaineté de son arrivée. Car votre femme de charge, ajouta-t-elle, nous avait informé que vous ne seriez pas ici avant demain. Et d'après ce qu'on nous avait dit à Bakerwell, nous avions compris que vous n'étiez pas attendu si tôt. Monsieur Darcy reconnut que c'était exact. Une question à régler avec son régisseur l'avait obligé à devancer de quelques heures ses compagnons de voyage. Ils me rejoindront demain matin, de bonne heure, continua-t-il, et vous trouverez parmi eux plusieurs personnes qui seront heureuses de renouer connaissance avec vous, M. Bingley et ses sœurs. Elisabeth s'inclina légèrement sans répondre. D'un saut, sa pensée se reportait brusquement au soir où, pour la dernière fois, le nom de M. Bingley avait été prononcé par eux. Si elle en jugeait par la rougeur de son compagnon, la même idée avait dû lui venir aussi à l'esprit. « Il y a une autre personne, » reprit-il, après un court silence, « qui désire particulièrement vous connaître. Me permettrez-vous, si ce n'est pas indiscret, de vous présenter ma sœur pendant votre séjour à Lambton ?» Interdite par cette demande, Elisabeth y répondit, sans savoir au juste dans quels termes. Elle sentait que le désir de la sœur avait dû être inspiré par le frère. Et sans aller plus loin, cette pensée-là remplissait de satisfaction. Il lui était agréable de voir que M. Darcy n'avait pas été amené par la rancune à concevoir d'elle une mauvaise opinion. Ils avançaient maintenant en silence, chacun plongé dans ses pensées. Bientôt,
Ils distancèrent les gardineurs et quand ils arrivèrent à la voiture, ils avaient une avance d'au moins 150 mètres. Monsieur Darcy offrit à Élisabeth d'entrer au château, mais elle déclara qu'elle n'était pas fatiguée et ils demeurèrent sur la pelouse. Le silence, à un moment où ils auraient pu se dire tant de choses, devenait embarrassant. Élisabeth se rappela qu'elle venait de voyager et ils parlèrent de Matlock et de Dovedale avec beaucoup de persévérance. Mais Élisabeth trouvait que le temps et sa tante avançaient bien lentement et sa patience ainsi que ses idées étaient presque épuisées lorsque ce tête-à-tête prit fin. Monsieur et Madame Gardiner les ayant rejoints, Monsieur Darcy les pressa d'entrer au château et d'accepter quelques rafraîchissements. Mais cette proposition fut déclinée et l'on se sépara de part et d'autre avec la plus grande courtoisie. Monsieur Darcy aida les dames à remonter dans leur voiture et quand elle fut en marche, Élisabeth le vit retourner à pas lents vers la maison. Son oncle et sa tante se mirent aussitôt à parler de Monsieur Darcy. L'un et l'autre le déclarèrent infiniment mieux qu'il ne s'y serait attendu. « C'est un parfait gentleman, aimable et simple, » dit Monsieur Gardiner. « Il y a bien un peu de hauteur dans sa physionomie, » reprit sa femme, « mais elle n'est que dans l'expression et ne lui sied pas mal. Je puis dire maintenant, comme la femme de charge, que la fierté dont certaines gens l'accusent ne m'a nullement frappée. » J'ai été extrêmement surpris de son accueil. C'était plus que de la simple politesse. C'était un empressement aimable, à quoi rien ne l'obligeait. Ses relations avec Élisabeth étaient sans importance, en somme. Bien sûr, Lizzie, il n'a pas le charme de Wickham, mais comment avez-vous pu nous le représenter comme un homme si désagréable ? Élisabeth s'excusa comme elle put, dit qu'elle l'avait mieux apprécié quand ils s'étaient rencontrés dans le Kent, et qu'elle ne l'avait jamais vu aussi aimable qu'en ce jour. « Tel qu'il s'est montré à nous, » continua Madame Gardiner, « je n'aurais jamais pensé qu'il eût pu se conduire aussi cruellement à l'égard de ce pauvre Wickham. Il n'a pas l'air dur, au contraire. Dans toute sa personne, il a une dignité qui ne donne pas une idée défavorable de son cœur. La bonne personne qui nous a fait visiter le château lui fait vraiment une réputation extraordinaire. J'avais peine par moments à m'empêcher de rire. » Ici, Élisabeth sentit qu'elle devait dire quelque chose pour justifier M. Darcy dans ses rapports avec Wickham. En termes aussi réservés que possible, elle laissa entendre que, pendant son séjour dans le Kent, elle avait appris que sa conduite pouvait être interprétée d'une façon toute différente et que son caractère n'était nullement aussi odieux, ni celui de Wickham aussi sympathique qu'on l'avait cru en Hertfordshire. Comme preuve, elle donna les détails de toutes les négociations d'intérêts qui s'étaient poursuivies entre eux, sans dire qui l'avait renseignée, mais en indiquant qu'elle tenait l'histoire de bonne source. Sa tante l'écoutait avec une vive curiosité, mais on approchait maintenant des lieux qui lui rappelaient ses jeunes années, et toute autre idée s'effaça devant le charme des souvenirs. Elle fut bientôt trop occupée à désigner à son mari les endroits intéressants qu'il traversait pour prêter son attention à autre chose. Bien que fatiguée par l'excursion du matin, sitôt qu'elle fut sortie de table, elle partit à la recherche d'anciens amis et la soirée fut remplie par le plaisir de renouer des relations depuis longtemps interrompues. Quant à Élisabeth, les événements de la journée étaient trop passionnants pour qu'elle puisse s'intéresser beaucoup aux amis de sa tante. Elle ne cessait de songer, avec un étonnement dont elle ne pouvait revenir, à l'amabilité de M. Darcy et par-dessus tout au désir qu'il avait exprimé de lui présenter sa sœur. Chapitre 44. Élisabeth s'attendait à ce que M. Darcy lui amenât sa sœur le lendemain de son arrivée à Pemberley. Et déjà, elle avait résolu de ne pas s'éloigner de l'hôtel ce matin-là. Mais elle s'était trompée dans ses prévisions, car ses visiteurs se présentèrent un jour plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Après une promenade dans la ville avec son oncle et sa tante, tous trois étaient revenus à l'hôtel et se préparaient à aller dîner chez des amis, retrouvés par Madame Gardiner, lorsque le roulement d'une voiture les attira à la fenêtre. Élisabeth, reconnaissant la livrée du coupé qui s'arrêtait devant la porte, devina tout de suite ce dont il s'agissait,
et annonça à ses compagnons l'honneur qui allait leur être fait. Monsieur et Madame Gardiner étaient stupéfaits, mais l'embarras de leur nièce, qu'ils rapprochaient de cet incident et de celui de la veille, leur ouvrit soudain les yeux sur des perspectives nouvelles. Elisabeth se sentait de plus en plus troublée, tout en s'étonnant elle-même de son agitation. Entre autres sujets d'inquiétude, elle se demandait si M. Darcy n'aurait pas trop fait son éloge à sa sœur, et dans le désir de gagner la sympathie de la jeune fille, elle craignait que tous ses moyens ne vinssent à lui manquer à la fois. Craignant d'être vue, elle s'écarta de la fenêtre et se mit à arpenter la pièce pour se remettre. Mais les regards de surprise qu'échangeaient son oncle et sa tante n'étaient pas faits pour lui rendre son sang-froid. Quelques instants plus tard, Miss Darcy entrait avec son frère et la redoutable présentation avait lieu. À son grand étonnement, Elisabeth put constater que sa visiteuse était au moins aussi embarrassée qu'elle-même. Depuis son arrivée à Lambton, elle avait entendu dire que Miss Darcy était extrêmement hautaine. Un coup d'œil lui suffit pour voir qu'elle était surtout prodigieusement timide. Elle était grande et plus forte qu'Elisabeth. Bien qu'elle eût à peine dépassé 16 ans, elle avait déjà l'allure et la grâce d'une femme. Ses traits étaient moins beaux que ceux de son frère, mais l'intelligence et la bonne humeur se lisaient sur son visage. Ses manières étaient aimables et sans aucune recherche. Elisabeth, qui s'attendait à retrouver chez elle l'esprit froidement observateur de son frère, se sentit soulagée. Au bout de peu d'instants, M. Darcy l'informa que M. Bingley se proposait également de venir lui présenter ses hommages. Et Elisabeth avait à peine eu le temps de répondre à cette annonce par une phrase de politesse qu'on entendait dans l'escalier le pas alerte de M. Bingley, qui fit aussitôt son entrée dans la pièce. Il y avait longtemps que le ressentiment d'Elisabeth à son égard s'était apaisé. Mais s'il n'en avait pas été ainsi, elle n'aurait pu résister à la franche cordialité avec laquelle Bingley lui exprima son plaisir de la revoir. Il s'enquit de sa famille avec empressement. Bien que sans nommer personne, et dans sa manière d'être comme dans son langage, il montra l'aisance aimable qui lui était habituelle. Monsieur et Madame Gardiner le considéraient avec presque autant d'intérêt qu'Elisabeth. Depuis longtemps, ils désiraient le connaître. D'ailleurs, toutes les personnes présentes excitaient leur attention. Les soupçons qui leur étaient nouvellement venus les portaient à observer surtout Monsieur Darcy et leur nièce avec une curiosité aussi vive que discrète. Le résultat de leurs observations fut la pleine conviction que l'un des deux au moins savait ce qu'était qu'aimer. Des sentiments de leur nièce, ils doutaient encore un peu, mais il était clair pour eux que M. Darcy débordait d'admiration. Elisabeth, de son côté, avait beaucoup à faire. Elle aurait voulu deviner les sentiments de chacun de ses visiteurs, calmer les siens et se rendre agréable à tous. Ce dernier point sur lequel elle craignait le plus d'échouer était au contraire celui où elle avait le plus de chances de réussir, ses visiteurs étant tous prévenus en sa faveur. À la vue de Bingley, sa pensée s'était aussitôt élancée vers Jane. Combien elle aurait souhaité savoir si la pensée de Bingley avait pris la même direction. Elle crut remarquer qu'il parlait moins qu'autrefois, et à une ou deux reprises pendant qu'il la regardait, elle se plut à imaginer qu'il cherchait à découvrir une ressemblance entre elle et sa sœur. Si tout ceci n'était qu'imagination, il y avait du moins un fait sur lequel elle ne pouvait s'abuser. C'était l'attitude de Bingley vis-à-vis de Miss Darcy, la prétendue rivale de Jane. Rien dans leur manière ne semblait marquer un attrait spécial des deux jeunes gens, l'un pour l'autre. Rien ne se passa entre eux qui fût de nature à justifier les espérances de Miss Bingley. Elisabeth saisit, au contraire, deux ou trois petits faits qui lui semblèrent attester chez M. Bingley un sentiment persistant de tendresse pour Jane, le désir de parler de choses se rattachant à elle et, s'il l'eût osé, de prononcer son nom. À un moment où les autres causaient ensemble, il lui fit observer d'un ton où perçait un réel regret qu'il était resté bien longtemps sans la voir. Puis ajouta
avant qu'elle eût eu le temps de répondre. « Oui, il y a plus de 8 mois. Nous ne nous sommes pas rencontrés depuis le 26 novembre, date à laquelle nous dansions tous à Netherfield. » Elisabeth fut heureuse de constater que sa mémoire était si fidèle. Plus tard, pendant qu'on ne les écoutait pas, il saisit l'occasion de lui demander si toutes ses sœurs étaient à Longbourn. En elle-même, cette question et l'observation qui l'avait précédée étaient peu de choses, mais l'accent de Bingley leur donnait une signification. C'était seulement de temps à autre qu'Elisabeth pouvait tourner les yeux vers M. Darcy, mais chaque coup d'œil le lui montrait avec une expression aimable, et quand il parlait, elle ne pouvait découvrir dans sa voix la moindre nuance de hauteur. En le voyant ainsi plein de civilité, non seulement à son égard, mais à l'égard des membres de sa famille qui l'avaient ouvertement dédaigné, et en se rappelant leur orageux entretien au presbytère de Hunsford, le changement lui semblait si grand et si frappant qu'Elisabeth avait peine à dissimuler son profond étonnement. Jamais encore dans la société de ses amis de Netherfield ou dans celle de ses nobles parentes de Rosings, elle ne l'avait vu si désireux de plaire et si parfaitement exempte de fierté et de raideur. La visite se prolongea plus d'une demi-heure et en se levant pour prendre congé, M. Darcy pria sa sœur de joindre ses instances aux siennes pour demander à leurs hôtes de venir dîner à Pemberley avant de quitter la région. Avec une nervosité qui montrait le peu d'habitude qu'elle avait encore de faire des invitations, Miss Darcy s'empressa d'obéir. Madame Gardiner regarda sa nièce. N'était-ce pas elle que cette invitation concernait surtout ? Mais Elisabeth avait détourné la tête. Interprétant cette attitude comme un signe d'embarras et non de répugnance pour cette invitation, voyant en outre que son mari paraissait tout prêt à l'accepter, Madame Gardiner répondit affirmativement et la réunion fut fixée au surlendemain. Dès que les visiteurs se furent retirés, Elisabeth, désireuse d'échapper aux questions de son oncle et de sa tante, ne resta que le temps de leur entendre exprimer leur bonne impression sur Bingley, et elle courut s'habiller pour le dîner. Elle avait tort de craindre la curiosité de Monsieur et Madame Gardiner, car ils n'avaient aucun désir de forcer ses confidences. Ils se rendaient compte maintenant qu'Elisabeth connaissait Monsieur Darcy beaucoup plus qu'il ne se l'était imaginé. Et il ne doutait pas que M. Darcy fût sérieusement épris de leur nièce. Tout cela était à leurs yeux, plein d'intérêt, mais ne justifiait pas une enquête. En ce qui concernait Wickham, les voyageurs découvrirent bientôt qu'il n'était pas tenu en grande estime à Lambton. Si ses démêlés avec le fils de son protecteur étaient imparfaitement connus, c'était un fait notoire qu'en quittant le Derbyshire, il avait laissé derrière lui un certain nombre de dettes qui avait été payé ensuite par M. Darcy. Quant à Elisabeth, ses pensées étaient à Pemberley ce soir-là, plus encore que la veille. La fin de la journée lui parut longue, mais ne le fut pas encore assez pour lui permettre de déterminer la nature exacte des sentiments qu'elle éprouvait à l'égard d'un des habitants du château. Et elle resta éveillée 2 bonnes heures, cherchant à voir clair dans son esprit. Elle ne détestait plus M. Darcy. Non, certes. Il y avait longtemps que cette aversion s'était dissipée et elle avait honte maintenant de s'être laissée aller à un pareil sentiment. Depuis quelque temps déjà, elle avait cessé de lutter contre le respect que lui inspiraient ses indéniables qualités et sous l'influence du témoignage qui lui avait été rendu la veille et qui montrait son caractère sous un jour si favorable, ce respect se transformait en quelque chose d'une nature plus amicale. Mais au-dessus de l'estime, au-dessus du respect. Il y avait en elle un motif nouveau de sympathie qui ne doit pas être perdu de vue. C'était la gratitude. Elle était reconnaissante à Darcy, non seulement de l'avoir aimé, mais de l'aimer encore assez pour lui pardonner l'impétuosité et l'amertume avec lesquelles elle avait accueilli sa demande, ainsi que les accusations injustes qu'elle avait jointes à son refus. Elle l'eût trouvé naturel qu'il l'évitât comme une ennemie. Et voici que dans une rencontre inopinée, il montrait au contraire un vif désir de voir se renouer leur relation. De l'air le plus naturel,
Sans aucune assiduité indiscrète, il essayait de gagner la sympathie des siens et cherchait à la mettre elle-même en rapport avec sa sœur. L'amour seul, et un amour ardent, pouvait, chez un homme aussi orgueilleux, expliquer un tel changement. Et l'impression qu'Élisabeth en ressentait était très douce, mais difficile à définir. Elle éprouvait du respect, de l'estime et de la reconnaissance. Elle souhaitait son bonheur. Elle aurait voulu seulement savoir dans quelle mesure elle désirait que ce bonheur dépendît d'elle. Et si elle aurait raison d'user du pouvoir qu'elle avait conscience de posséder encore pour l'amener à se déclarer de nouveau. Il avait été convenu le soir, entre la tante et la nièce, que l'amabilité vraiment extraordinaire de Miss Darcy, venant les voir le jour même de son arrivée, réclamait d'elle une démarche de politesse. Et elles avaient décidé d'aller lui rendre visite à Pemberley le lendemain. Monsieur Gardiner partit lui-même ce matin, peu après le breakfast. On avait reparlé la veille des projets de pêche et il devait retrouver vers midi quelques-uns des hôtes du château au bord de la rivière. Chapitre 25. Convaincu maintenant que l'antipathie de Miss Bingley était uniquement l'effet de la jalousie, Élisabeth songeait que son arrivée à Pemberley ne causerait à celle-ci aucun plaisir. Et elle se demandait avec curiosité en quels termes elles allaient renouer connaissance. À leur arrivée, on leur fit traverser le hall pour gagner le salon. Cette pièce, exposée au nord, était d'une fraîcheur délicieuse. Par les fenêtres ouvertes, on voyait les hautes collines boisées qui s'élevaient derrière le château. Et, plus près, des chênes et des châtaigniers magnifiques se dressant çà et là sur une pelouse. Les visiteuses y furent reçues par Miss Darcy, qui s'y trouvait en compagnie de Madame Hurst, de Miss Bingley, et de la personne qui lui servait de chaperon à Londres. L'accueil de Georgiana fut plein de politesse, mais empreint de cette gêne causée par la timidité qui pouvait donner à ses inférieurs une impression de hautaine réserve. Madame Gardiner et sa nièce, cependant, lui rendirent justice tout en compatissant à son embarras. Madame Hurst et Miss Bingley les honorèrent simplement d'une révérence et lorsqu'elles se furent assises, il y eut un silence, embarrassant comme tous les silences, qui dura quelques instants. Ce fut Madame Ainslie, personne d'aspect sympathique et distingué, qui le rompit et ses efforts pour trouver quelque chose d'intéressant à dire montrèrent la supériorité de son éducation sur celle de ses compagnes. La conversation parvint à s'établir entre elle et Madame Gardiner, avec un peu d'aide du côté d'Élisabeth. Miss Darcy paraissait désireuse d'y prendre part et risquait de temps à autre une courte phrase quand elle avait le moins de chances d'être entendue. Élisabeth s'aperçut bientôt qu'elle était étroitement observée par Miss Bingley et qu'elle ne pouvait dire un mot à Miss Darcy sans attirer immédiatement son attention. Cette surveillance ne l'aurait pas empêchée d'essayer de causer avec Georgiana sans la distance incommode qui les séparait l'une de l'autre. Mais Élisabeth ne regrettait pas d'être dispensée de parler beaucoup. Ses pensées suffisaient à l'occuper. À tout moment, elle s'attendait à voir apparaître le maître de la maison et ne savait si elle le souhaitait ou si elle le redoutait davantage. Après être restée un quart d'heure sans ouvrir la bouche, Miss Bingley surprit Élisabeth en la questionnant d'un ton froid sur la santé de sa famille. Ayant reçu une réponse aussi brève et aussi froide, elle retomba dans son mutisme. L'arrivée de domestiques apportant une collation composée de viande froide, de gâteaux et des plus beaux fruits de la saison amena une diversion. Il y avait là de quoi occuper agréablement tout le monde. Et de belles pyramides de raisins, de pêche et de brugnons rassemblèrent toutes les dames autour de la table. À cet instant, Élisabeth put être fixée sur ses sentiments par l'entrée de M. Darcy dans le salon. Il revenait de la rivière, où il avait passé quelque temps avec M. Gardiner et deux ou trois hôtes du château. Il les avait quittés seulement quand il avait appris que Mme Gardiner et sa nièce se proposaient de faire visite à Georgiana. Dès qu'il apparut, Élisabeth prit la résolution de se montrer parfaitement calme et naturelle. Résolution d'autant plus sage
sinon plus facile à tenir, qu'elle sentait éveiller les soupçons de toutes les personnes présentes et que tous les yeux étaient tournés vers M. Darcy dès son entrée pour observer son attitude. Aucune physionomie ne reflétait une curiosité plus vive que celle de Miss Bingley. En dépit des sourires qu'elle prodiguait à l'un de ceux qui en étaient l'objet, car la jalousie ne lui avait pas enlevé tout espoir, et son empressement auprès de M. Darcy restait le même. Miss Darcy s'efforça de parler davantage en présence de son frère. Lui-même laissa voir à Elizabeth combien il désirait qu'elle fît plus ample connaissance avec sa sœur, et tâcha d'animer leurs essais de conversation. Miss Bingley le remarquait aussi, et dans l'imprudence de sa colère, saisit la première occasion pour demander, avec une politesse moqueuse, « Eh bien, Miss Eliza, est-ce que le régiment de la milice n'a pas quitté Meryton ? Ce doit être une grande perte pour votre famille. » En présence de M. Darcy, elle n'osa pas prononcer le nom de Wickham, mais Elizabeth comprit tout de suite que c'était à lui que Miss Bingley faisait allusion, et les souvenirs que ce nom éveillait la troublèrent un moment. Un effort énergique lui permit de répondre à cette attaque d'un ton suffisamment détaché. Tout en parlant, d'un coup d'œil involontaire, elle vit Darcy, le visage plus coloré, lui jeter un regard ardent, tandis que sa sœur, saisie de confusion, n'osait même pas lever les yeux. Si Miss Bingley avait su la peine qu'elle infligeait à sa très chère amie, elle se serait sans doute abstenue de cette insinuation. Mais elle voulait simplement embarrasser Elizabeth par cette allusion à un homme pour lequel elle lui croyait une préférence, espérant qu'elle trahirait une émotion qui pourrait la desservir aux yeux de Darcy, voulant aussi, peut-être, rappeler à ce dernier les sottises et les absurdités commises par une partie de la famille Bennet à propos du régiment. Du projet d'enlèvement de Miss Darcy, elle ne savait pas un mot. L'air tranquille d'Elizabeth calma vite l'émotion de M. Darcy. Et comme Miss Bingley, désappointée, n'osa faire une allusion plus précise à Wickham, Georgiana se remit aussi, peu à peu, mais pas assez, pour retrouver le courage d'ouvrir la bouche avant la fin de la visite. Son frère, dont elle n'osait rencontrer le regard, avait presque oublié ce qui la concernait en cette affaire. Et l'incident calculé pour le détourner d'Elizabeth semblait au contraire avoir fixé sa pensée sur elle, avec plus de confiance qu'auparavant. La visite prit fin peu après. Pendant que M. Darcy accompagnait Mme Gardiner et sa nièce jusqu'à leur voiture, Miss Bingley, pour se soulager, se répandit en critiques sur Elizabeth, sur ses manières et sa toilette. Mais Georgiana se garda bien de lui faire écho. Pour garder ses bonnes grâces, elle ne consultait que le jugement de son frère, qui était infaillible à ses yeux. Or, il avait parlé d'Elizabeth en des termes tels que Georgiana ne pouvait que la trouver aimable et charmante. Quand Darcy rentra au salon, Miss Bingley ne put s'empêcher de lui répéter une partie de ce qu'elle venait de dire à sa sœur. Comme Eliza Bennet a changé depuis l'hiver dernier, elle a bruni et perdu toute finesse. Nous disions à l'instant, Louisa et moi, que nous ne l'aurions pas reconnue. » Quel que fût le déplaisir causé à M. Darcy par ces paroles, il se contenta de répondre qu'il ne remarquait chez Elizabeth d'autres changements que le hâle de son teint, conséquence assez naturelle d'un voyage fait au cœur de l'été. « Pour ma part, répliqua Miss Bingley, j'avoue que je n'ai jamais pu découvrir chez elle le moindre attrait. Elle a le visage trop mince, le teint sans éclat. Ses traits n'ont aucune beauté. Son nez manque de caractère. Et quant à ses yeux, que j'ai entendu parfois tellement vanter, je ne leur trouve rien d'extraordinaire. Ils ont un regard perçant et désagréable que je n'aime pas du tout. Et toute sa personne respire une suffisance intolérable. » Convaincue comme elle l'était de l'admiration de Darcy pour Elizabeth, Miss Bingley s'y prenait vraiment bien mal pour lui plaire. Mais la colère est souvent mauvaise conseillère. Et tout le succès qu'elle obtint, et qu'elle méritait, fut d'avoir blessé Darcy. Il gardait toutefois un silence obstiné. Et, comme si elle avait résolu à toute fin de le faire parler, elle poursuivit. « Quand nous l'avons vue pour la première fois en Hertfordshire,
Je me rappelle à quel point nous avions été surprises d'apprendre qu'elle était considérée là-bas comme une beauté. Je vous entends encore nous dire un jour où elle était venue à Netherfield. Jolie, Miss Elizabeth Bennet. Autant dire que sa mère est une femme d'esprit. Cependant, elle a paru faire ensuite quelques progrès dans votre estime. Et il fut même un temps, je crois, où vous la trouviez assez bien. En effet, répliqua Darcy, incapable de se contenir plus longtemps. Mais c'était au commencement, car voilà bien des mois que je la considère comme une des plus jolies femmes de ma connaissance. Là-dessus, il sortit, laissant Miss Bingley savourer la satisfaction de lui avoir fait dire ce qu'elle désirait le moins entendre. Madame Gardiner et Elizabeth, pendant leur retour, parlèrent de tout ce qui s'était passé pendant la visite, excepté de ce qui les intéressait davantage l'une et l'autre. Elles échangèrent leurs impressions sur tout le monde, sauf sur celui qui les occupait le plus. Elles parlèrent de sa sœur, de ses amis, de sa maison, de ses fruits, de tout, excepté de lui-même. Cependant, Elizabeth brûlait de savoir ce que sa tante pensait de M. Darcy. Et Mme Gardiner aurait été infiniment reconnaissante à sa nièce si elle avait entamé ce sujet la première. Chapitre 26. Elizabeth avait été fort désappointée en arrivant à Lambton de ne pas y trouver une lettre de Jane. Et chaque courrier avait renouvelé cette déception. Le matin du troisième jour, cependant, l'arrivée de deux lettres à la fois mit fin à son attente. L'une des deux lettres, dont l'adresse était fort mal écrite, avait pris une mauvaise direction, ce qui expliquait le retard. Son oncle et sa tante, qui s'apprêtaient à l'emmener faire une promenade, sortirent seuls pour lui permettre de prendre tranquillement connaissance de son courrier. Elizabeth ouvrit en premier la lettre égarée, qui datait déjà de 5 jours. Jane lui racontait d'abord les dernières réunions et les menues nouvelles locales. Mais la seconde partie, qui avait été écrite un jour plus tard et témoignait chez Jane d'un état de grande agitation, donnait des nouvelles d'une autre importance. Depuis hier, très chère Lizzie, s'est produit un événement des plus inattendus et des plus graves. Mais j'ai peur de vous alarmer. Ne craignez rien, nous sommes tous en bonne santé. Ce que j'ai à vous dire concerne la pauvre Lydia. Hier soir, à minuit, tout le monde ici étant couché, est arrivé un express envoyé par le colonel Forster pour nous informer qu'elle était partie pour l'Écosse avec un de ses officiers. Pour tout dire, avec Wickham. Vous pensez quelle fut notre stupéfaction? Kitty, cependant, paraissait beaucoup moins étonnée que nous. Quant à moi, je ne suis on peut plus bouleversée. Quel mariage imprudent pour l'un comme pour l'autre. Mais j'essaie de ne pas voir les choses trop en noir. Et je veux croire que Wickham vaut mieux que sa réputation. Je le crois léger et imprudent, mais ce qu'il a fait ne décèle pas une nature foncièrement mauvaise. Et son choix prouve au moins son désintéressement, car il n'ignore pas que mon père ne peut rien donner à Lydia. Notre pauvre mère est extrêmement affligée. Mon père supporte mieux ce choc. Comme je suis heureuse que nous ne leur ayons pas communiqué ce que nous savions sur Wickham. Il faut maintenant l'oublier nous-mêmes. Ils ont dû partir tous deux, samedi soir, vers minuit, mais on ne s'est aperçu de leur fuite que le lendemain matin, vers 8 heures. L'express nous a été envoyé immédiatement. Ma chère Lizzie, ils ont dû passer à 10 000 seulement de Longbourn. Le colonel nous fait prévoir qu'il arrivera lui-même sous peu. Lydia avait laissé un mot à sa femme pour lui annoncer sa détermination. Je suis obligée de m'arrêter, car on ne peut laisser notre pauvre mère seule très longtemps. Je sais à peine ce que j'écris. J'espère que vous pourrez tout de même me comprendre. Sans s'arrêter une seconde pour réfléchir et se rendant à peine compte de ce qu'elle éprouvait, Elizabeth saisit la seconde lettre et l'ouvrit fébrilement. Elle contenait ce qui suit. En ce moment, ma chère Lizzie, vous avez sans doute déjà la lettre que je vous ai griffonnée hier à la hâte. J'espère que celle-ci sera plus intelligible. Toutefois, ma pauvre tête est dans un tel état que je ne puis répondre de mettre beaucoup de suite dans ce que j'écris. Ma chère Lizzie, j'ai de mauvaises nouvelles à vous apprendre. Il vaut mieux vous les dire tout de suite. Tout imprudent que nous jugions un mariage entre notre pauvre Lydia et M. Wickham, nous ne demandons maintenant
qu'à recevoir l'assurance qu'il a bien eu lieu, car trop de raisons nous font craindre qu'il ne soit pas parti pour l'Écosse. Le colonel Forster est arrivé hier, ici, ayant quitté Brighton peu d'heures après son express. Bien que la courte lettre de Lydia à sa femme leur eût donné à croire que le couple se rendait à Gretna Green, quelques mots qui échappèrent à Denis, exprimant la conviction que Wickham n'avait jamais eu la moindre intention d'aller en Écosse, pas plus que celle d'épouser Lydia, avaient été rapportés au colonel Forster, qui, prenant alarme, était parti sur l'heure de Brighton pour essayer de relever leurs traces. Il avait pu les suivre facilement jusqu'à Clapham, mais pas plus loin, car en arrivant de cette ville, ils avaient abandonné la chaise de poste qui les avait amenés d'Epsom pour prendre une voiture de louage. Tout ce qu'on sait à partir de ce moment, c'est qu'on les a vus poursuivre leur voyage vers Londres. Je me perds en conjectures. Après avoir fait toutes les enquêtes possibles de ce côté, le colonel Forster a pris la route de Longbourn en les renouvelant à toutes les barrières et toutes les auberges de Barnet et de Hatfield. Personne répondant à leur signalement n'avait été remarqué. Il est arrivé à Longbourn en nous témoignant la plus grande sympathie et nous a communiqué ses appréhensions en des termes qui font honneur à ses sentiments. Ni lui, ni sa femme, vraiment, ne méritent aucun reproche. Notre désolation est grande, ma chère Lizzie. Mon père et ma mère craignent le pire, mais je ne puis croire à tant de perversité de la part de Wickham. Bien des circonstances ont pu leur faire préférer se marier secrètement à Londres plutôt que de suivre leur premier plan. Et même si Wickham avait pu concevoir de tels desseins sur une jeune fille du milieu de Lydia, pouvons-nous supposer qu'elle aurait perdu à ce point le sentiment de son honneur et de sa dignité? C'est impossible. J'ai le regret de dire néanmoins que le colonel Forster ne semble pas disposé à partager l'optimisme de mes suppositions. Il a secoué la tête lorsque je les ai exprimées devant lui et m'a répondu qu'il craignait qu'on ne pût avoir aucune confiance en Wickham. Ma pauvre maman est réellement malade et garde la chambre. Si elle pouvait prendre un peu d'empire sur elle-même, mais il n'y faut pas compter. Quant à notre père, de ma vie, je ne l'ai vu aussi affecté. La pauvre Kitty s'en veut d'avoir dissimulé cette intrigue. Mais peut-on lui reprocher d'avoir gardé pour elle une confidence faite sous le sceau du secret? Je suis heureuse, ma chère Lizzie, que vous ayez échappé à ces scènes pénibles. Mais maintenant que le premier choc est reçu, j'avoue qu'il me tarde de vous voir de retour. Je ne suis pas assez égoïste cependant pour vous presser de revenir plus tôt que vous ne le souhaitez. Adieu. Je reprends la plume pour vous prier de faire ce qu'à l'instant je n'osais vous demander. Les circonstances sont telles que je ne puis m'empêcher de vous supplier de revenir tous aussitôt que possible. Je connais assez mon oncle et ma tante pour ne pas craindre de leur adresser cette prière. J'ai encore une autre demande à faire à mon oncle. Mon père part à l'instant avec le colonel Forster pour Londres, où il veut essayer de découvrir Lydia. Par quels moyens? Je l'ignore. Mais son extrême désarroi l'empêchera, je le crains, de prendre les mesures les plus judicieuses. Et le colonel Forster est obligé d'être de retour à Brighton demain soir. Dans une telle conjecture, les conseils et l'aide de mon oncle lui seraient infiniment utiles. Il comprendra mon sentiment et je m'en remets à sa grande bonté. Mon oncle? Où est mon oncle? S'écria Elisabeth après avoir achevé sa lecture, s'élançant pour courir à sa recherche sans perdre une minute. Elle arrivait à la porte lorsque celle-ci fut ouverte par un domestique et livra passage à M. Darcy. La pâleur de la jeune fille et son air agité le firent tressaillir, mais avant qu'il eût pu se remettre de sa surprise et lui adresser la parole, Elisabeth, qui n'avait plus d'autre pensée que celle de Lydia, s'écria. « Pardonnez-moi, je vous prie, si je suis obligée de vous quitter, mais il faut que je trouve à l'instant M. Gardiner pour une affaire extrêmement urgente. Je n'ai pas un instant à perdre. »« Grand Dieu, qu'avez-vous donc ?» s'écria Darcy, avec plus de sentiment que de discrétion. Puis, se reprenant, « Je ne vous retiendrai pas un instant, mais permettez que ce soit moi, ou bien votre domestique, qui aille chercher M. et Mme Gardiner. Vous êtes incapable d'y aller vous-même. »
Élisabeth hésita, mais ses jambes se dérobaient sous elle. Et comprenant qu'il n'y avait aucun avantage à faire elle-même cette recherche, elle rappela le domestique et d'une voix haletante, à peine intelligible, elle lui donna l'ordre de ramener ses maîtres au plus vite. Dès qu'il fut parti, elle se laissa tomber sur un siège, l'air si défait que Darcy ne put se résoudre à la quitter, ni s'empêcher de lui dire d'un ton plein de douceur et de commisération « Laissez-moi appeler votre femme de chambre. N'y a-t-il rien que je puisse faire pour vous procurer quelque soulagement? Un peu de vin peut-être? Je vais aller vous en chercher. Vous êtes toute pâle. » « Non, je vous remercie, » répondit Élisabeth en tâchant de se remettre. « Je vous assure que je n'ai rien. Je suis seulement bouleversée par des nouvelles désolantes que je viens de recevoir de Longbourn. » En parlant ainsi, elle fondit en larmes et pendant quelques minutes se trouva dans l'impossibilité de continuer. Darcy, anxieux et désolé, ne put que murmurer quelques mots indistincts sur sa sympathie et la considérer avec une muette compassion. À la fin, elle put reprendre. « Je viens de recevoir une lettre de Jane avec des nouvelles lamentables. Ma jeune sœur a quitté ses amis. Elle s'est enfuie avec... Elle s'est livrée au pouvoir de... Monsieur Wickham, vous le connaissez assez pour soupçonner le reste. Elle n'a ni dot, ni situation, ni rien qui puisse le tenter. Elle est perdue à jamais. » Darcy restait immobile et muet d'étonnement. « Quand je pense, » ajouta-t-elle d'une voix encore plus agitée, « que j'aurais pu empêcher un pareil malheur, moi qui savais ce qu'il valait, si j'avais seulement répété chez moi une partie de ce que je savais, si on l'avait connu pour ce qu'il était, cela ne serait pas arrivé, et maintenant, il est trop tard. » « Je suis désolée, » s'écria Darcy, « désolée et indignée. Mais tout cela est-il certain? Absolument certain? Hélas, oui. Ils ont quitté Brighton dans la nuit de dimanche et on a pu relever leurs traces presque jusqu'à Londres, mais pas plus loin. Ils ne sont certainement pas allés en Écosse. » « Et qu'a-t-on fait jusqu'ici? Qu'a-t-on tenté pour la retrouver ?»« Mon père est parti pour Londres et Jane écrit pour demander l'aide immédiate de mon oncle. Nous allons partir, je pense, d'ici une demi-heure. Mais que pourra-t-on faire? Quel recours y a-t-il contre un tel homme? Arrivera-t-on même à les découvrir? Je n'ai pas le plus léger espoir. La situation est horrible sous tous ses aspects. » Darcy acquiesça de la tête, silencieusement. « Ah, quand on m'a ouvert les yeux sur la véritable nature de cet homme, si j'avais su alors quel était mon devoir. Mais je n'ai pas su. J'ai eu peur d'aller trop loin. Quelle funeste erreur !» Darcy ne répondit pas. Il semblait à peine l'entendre. Plongé dans une profonde méditation, il arpentait la pièce d'un air sombre et le front contracté. Élisabeth le remarqua et comprit aussitôt. Le pouvoir qu'elle avait eu sur lui s'évanouissait, sans doute. Tout devait céder devant la preuve d'une telle faiblesse dans sa famille, devant l'assurance d'une si profonde disgrâce. Elle ne pouvait pas plus s'en étonner que condamner Darcy. Mais la conviction qu'il faisait effort pour se ressaisir n'apportait aucun adoucissement à sa détresse. D'autre part, c'était pour elle le moyen de connaître la véritable nature des sentiments qu'elle éprouvait à son égard. Jamais encore elle n'avait senti qu'elle aurait pu l'aimer comme en cet instant, où l'aimer devenait désormais chose vaine. Mais elle ne pouvait songer longtemps à elle-même. Lydia, l'humiliation et le chagrin qu'elle leur infligeait à tous eurent au fait d'écarter toute autre préoccupation. Et, plongeant sa figure dans son mouchoir, Élisabeth perdit de vue tout le reste. Après quelques minutes, elle fut rappelée à la réalité par la voix de son compagnon. D'un accent qui exprimait la compassion, mais aussi une certaine gêne, il lui disait « J'ai peur, en restant près de vous, de m'être montré indiscret. Je n'ai aucune excuse à invoquer, sinon celle d'une très réelle mais bien vaine sympathie. Plût à Dieu qu'il fût en mon pouvoir de vous apporter quelque soulagement dans une telle détresse. Mais je ne veux pas vous importuner de souhaits inutiles et qui sembleraient réclamer votre reconnaissance. Ce malheureux événement, je le crains, va priver ma sœur du plaisir de vous voir à Pemberley aujourd'hui. »
Hélas, oui. Soyez assez bon pour exprimer nos regrets à Miss Darcy. Dites que des affaires urgentes nous rappellent immédiatement. Dissimulez la triste vérité tant qu'elle ne sera pas ébruitée. Je sais que ce ne sera pas pour bien longtemps. Il l'assura de sa discrétion, exprima encore une fois la part qu'il prenait à son chagrin, souhaita une conclusion plus heureuse que les circonstances présentes ne le faisaient espérer, et, l'enveloppant d'un dernier regard, prit congé d'elle. Au moment où il disparaissait, Élisabeth se dit qu'ils avaient bien peu de chances de se rencontrer de nouveau dans cette atmosphère de cordialité qui avait fait le charme de leurs entrevues en Derbyshire. Au souvenir de leurs rapports si divers et si pleins de revirements, elle songea, en soupirant, à ces étranges vicissitudes de sentiments qui lui faisaient souhaiter maintenant la continuation de ces rapports, après l'avoir amenée jadis à se réjouir de leur rupture. Elle voyait partir Darcy avec regret, et cet exemple immédiat des conséquences que devait avoir la conduite de Lydia lui fut, au milieu de ses réflexions, une nouvelle cause d'angoisse. Depuis qu'elle avait lu la seconde lettre, elle n'avait plus le moindre espoir quant à l'honnêteté des intentions de Wickham et à son dessein d'épouser Lydia. Il fallait être Jane pour se flatter d'une telle illusion. Tant qu'elle n'avait connu que le contenu de la première lettre, elle s'était demandé, avec une surprise indicible, comment Wickham pouvait avoir l'idée d'épouser une jeune fille qu'il savait sans fortune. Que Lydia eût pu se l'attacher lui semblait également incompréhensible. Mais tout s'expliquait maintenant. Pour ce genre d'attachement, Lydia avait suffisamment de charme. Certes, Élisabeth ne pensait pas que celle-ci eût pu consentir à un enlèvement où il n'aurait pas été question de mariage. Mais elle se rendait compte aisément que ni la vertu, ni le bon sens ne pouvaient empêcher sa sœur de devenir une proie facile. Il lui tardait maintenant d'être de retour. Elle brûlait d'être sur les lieux, de pouvoir se renseigner et de partager avec sa sœur les soucis qui, dans une maison aussi bouleversée et en l'absence du père, devaient retomber uniquement sur Jane. Malgré sa crainte de voir rester vains les efforts tentés pour sauver Lydia, elle estimait l'intervention de son oncle de la plus haute importance et attendait son retour dans la plus douloureuse agitation. Monsieur et Madame Gardiner arrivèrent, tout effrayés. Le rapport du domestique leur ayant fait croire que leur nièce se trouvait subitement malade. Elle les rassura sur ce point et leur communiqua immédiatement les deux lettres de Jane. D'une voix tremblante d'émotion, elle souligna le post-scriptum de la seconde. L'affliction de Monsieur et Madame Gardiner fut profonde, bien que Lydia n'eût jamais été leur favorite. Mais il ne s'agissait pas d'elle seule. Sa disgrâce atteignait toute sa famille. Après les premières exclamations de surprise et d'horreur, M. Gardiner promit, sans hésiter, tout son concours. Sa nièce, bien qu'elle n'attendît pas moins de lui, le remercia avec des larmes de reconnaissance. Tous trois se trouvant animés du même esprit, leurs dispositions en vue du départ furent prises rapidement. Il fallait se mettre en route aussi vite que possible. Et notre invitation à Pemberley ? « Qu'allons-nous faire à ce sujet ?» s'écria Madame Gardiner. « John nous a dit que M. Darcy était présent quand vous l'avez envoyé nous chercher. Est-ce bien exact ?»« Parfaitement. Et je lui ai dit que nous ne pourrions tenir notre engagement. Tout est réglé de ce côté. »« Qu'est-ce qui est réglé ?» se demandait la tante en courant à sa chambre pour se préparer au départ. « Sont-ils dans des termes tels qu'elle ait pu lui découvrir la vérité ?» Je donnerais beaucoup pour savoir ce qui s'est passé entre eux. Si Élisabeth avait eu le loisir de rester inactive, elle se serait sûrement crue incapable de faire quoi que ce fût dans le désarroi où elle se trouvait. Mais elle dut aider sa tante dans ses préparatifs, qui comprenaient l'obligation d'écrire à tous leurs amis de Langton afin de leur donner une explication plausible de leur départ subi. En une heure, cependant, tout fut terminé. Et M. Gardiner ayant, pendant ce temps, réglé ses comptes à l'hôtel, il n'y eut plus qu'à partir. Après cette dure matinée, Élisabeth se trouva, en moins de temps qu'elle ne l'aurait supposé, installée en voiture et sur la route de Langbourn.
et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur Orgueil et préjugés de Jane Austen. On se rapproche de la fin parce que là nous sommes, donc on a lu 4 chapitres et on est à 72%. Il reste sur mon e-book une cinquantaine de pages, donc ça peut peut-être se faire, peut-être en 2 fois, peut-être. Ça dépend la longueur, enfin les chapitres ont l'air d'être plus courts, l'action un peu plus saccadée. Donc pourquoi pas? Alors on a lu là les chapitres 23 à 26 inclus. Eh ben dis donc, on a plein d'informations là. Le premier chapitre, le chapitre 23, je l'ai trouvé un petit peu long, je vous avouerai. Une demi-heure, hein, enfin une demi-heure, mais après en coupant, ouais, on sera pas loin de la demi-heure. Je l'ai trouvé un petit peu long, mais c'était quand même vachement intéressant. Évidemment, en étant à Pemberley, et évidemment, même si c'était pas prévu que Darcy soit présent, fallait bien tomber dessus. Et le truc là, c'est que dans les chapitres précédents, depuis en fait que Darcy a laissé la lettre à Elizabeth pour s'expliquer sur Jane et Bingley, pour s'expliquer sur Wickham, il me semble bien qu'il a dit à Elizabeth que Wickham avait essayé de séduire sa sœur. Il me semble bien, parce que ça a été répété là et j'avais un petit doute. Il s'est justifié et c'est des choses dont il n'était absolument pas obligé. Mais il le fait après s'être fait envoyer bouler dans une demande en mariage qui est quand même vachement maladroite, faut l'avouer. Et là, on avait une Elisabeth qui commençait à réfléchir un peu à Darcy, qui d'abord remontait dans son estime. Et là, le fait de le fréquenter de plus près, où on voit qu'il fait des efforts, il fait des efforts pour apprendre à connaître Monsieur et Madame Gardiner, qui sont une partie de la famille d'Elisabeth, dont Elisabeth n'a pas à rougir, parce que ce sont des gens bien, qui se tiennent mieux que les parents d'Elisabeth, qui ne sont pas originales comme peut l'être Monsieur Bennet, ou complètement dramatiques et un peu idiots sur les bords, comme peut l'être Madame Bennet. Et, ou complètement écervelés aussi, comme peuvent l'être Lydia et Kitty, même si Lydia et Kitty sont des gamines, au final. Lydia, elle a 15-16 ans, Kitty, elle a 17 ans, un truc comme ça. Et je trouve ça vachement intéressant de voir cet homme qui a commencé très sérieusement à s'attacher à Elisabeth et qui l'a, en plus de s'être justifié sur des choses qui sont même intimes, parce que l'affaire de Wickham et de sa sœur Georgiana, Elisabeth, si elle n'avait pas été très futée ou si elle avait voulu être un peu méchante, elle aurait pu tout à fait aller le raconter un peu à tout le monde. Sauf que je pense que, en fait, Darcy a choisi de lui faire confiance, qu'il savait qu'elle n'allait pas dévoiler quoi que ce soit, parce que je crois qu'elle a même rien dévoilé ou pas grand-chose à Jane. Mais après, évidemment, elle n'a pas dévoilé que Darcy a éloigné Bingley de Jane parce que la famille fout la honte et parce que Jane est un petit peu froide d'apparence, alors qu'en fait, elle est éprise. Et évidemment, elle n'a pas non plus dévoilé à quel point Wickham est quand même plus ou moins une ordure, faut l'avouer, hein, faut l'avouer. Donc là, on a une gamine mineure qui, de toute façon, toutes les femmes sont mineures, mais qui a potentiellement été enlevée ou au moins s'est enfuie avec un officier. Et vous voyez que le scandale là que ça provoque, c'est un scandale qui est d'autant chaud patate que même le colonel Forster se déplace et est parti prévenir quasiment personne parce qu'il a dû arriver un peu après sa lettre, l'express, prévenir Monsieur Bennet et compagnie. On sent bien que Monsieur Bennet, il est complètement largué par ce que dit Jane.
On sent bien que Madame Bennett, elle est évidemment complètement inefficace dans des situations de crise. Faut pas trop lui demander, la pauvre petite dame. Moi, je la trouve insupportable, Madame Bennett, mais je la trouve attachante aussi parce que c'est une idiote, quoi. Elle fait avec les moyens qu'elle a, c'est-à-dire pas grand-chose. Elle n'a pas des moyens émotionnels ou des moyens culturels et d'éducation pour gérer ce genre de situation. Elle est, je pense, à l'image de beaucoup de femmes de l'époque, dans le rôle qui leur était dévolu, avec un mari qui est d'un niveau social supérieur et d'un niveau culturel d'éducation supérieur, d'instruction, qui lui a laissé complètement l'éducation des filles. J'ai l'impression que la seule chose que M. Bennett a pu partager avec ses filles, c'est sa bibliothèque. Donc, je pense principalement avec Elisabeth, qui est la plus futée des cinq. Avec Jane aussi, je pense, parce que comme elle est gentille, tout le monde l'aime. Avec Mary, je ne sais pas. Je me souviens, bon là, c'était une interprétation du film de 2005. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un moment, je pense, que c'était à Netherfield, donc chez les Bingley. Vous savez, tout le monde fait un petit peu la fête, il y avait un piano, donc quelqu'un un peu poussé Mary, ou Mary, elle a été tout de même d'elle-même se mettre au piano et à chanter, sauf que Mary, elle est, on va dire, dans tout ce qu'elle fait, enfin, ça je le dis parce que je viens d'écouter un podcast hier sur Jane Austen, un podcast, je pense, de Arte ou France Culture. C'était un truc en plusieurs épisodes, c'était très long par contre. Mary, elle a une interprétation toute scolaire, entre guillemets, de ce qu'elle apprend. C'est-à-dire qu'elle reproduit sans réfléchir ce qu'on lui enseigne, que ce soit le piano, que ce soit ses lectures. Donc elle a zéro recul sur ce qu'on lui apporte. Mary, elle est un peu plus âgée, elle a 18-19 ans, mais elle n'est pas non plus très âgée. Donc elle est l'excuse de la jeunesse, on va dire. Et bref, il y avait une scène que j'ai trouvée très, très chouette dans le film de 2005 où Mary, du coup, elle se ridiculise. Il y a un peu Elisabeth qui dit à son père, genre, est-ce que tu peux pas aller récupérer Mary? Et le père interrompt Mary au piano. Mary, du coup, se met à pleurer. Et donc, le père, il lui fait quand même un câlin à sa gamine parce qu'ils sont quand même dans une soirée, il y a du monde, il y a certes le monde de leur petit cercle de Meryton, il me semble, de tous les voisins qu'ils fréquentent tout le temps, mais il y a aussi les Bingley et il y a Darcy. Donc il y a du monde qui est moins habitué, on va dire, au côté un peu fantasque de cette famille. Bref, Lydia, c'est une idiote, mais je pense que Lydia, c'est une idiote un peu à l'image de sa mère au final, surtout que c'est la préférée de sa mère, donc bonjour, parce que elle n'est pas évidente comme maman, elle n'est pas évidente du tout je pense, et Lydia ne doit pas être du tout évidente non plus comme fille ou comme sœur. Et Monsieur Bennett, le truc que je lui reproche vraiment, c'est d'être tout le temps fourré dans sa bibliothèque et de laisser la petite maison tourner toute seule, alors que c'est quelque part, c'est lui qui déjà a le pouvoir social parce que c'est l'homme de la maison, c'est le noble, il fait partie de la petite gentry, c'est le maître de la maison, donc c'est lui qui doit gérer ça, c'est lui aussi qui doit gérer sa famille. Et il laisse tout ça, enfin une grande partie de ça, à gérer à sa femme qui n'a pas les moyens intellectuels de le faire, clairement. Ou ni les moyens émotionnels. Donc, quelque part, Monsieur Bennett, tu fais pas bien ton boulot, c'est pas bien. Et là, le truc que j'ai trouvé intéressant aussi par rapport à... Bon, j'essaye de... Je mélange un peu tout, hein. Tant pis, ça fait comme ça vient. On a Elisabeth qui commence à bouger, à glisser doucement vers l'amour pour Darcy. Et là, paf, la lettre arrive. Et Darcy est là. Et le truc que j'ai trouvé chouette, c'est que, alors Darcy, pour moi, je suis même pas sûre qu'il soit orgueilleux. Darcy, il est conscient de son rang, il est dans son carcan, Darcy. Il est conscient de son rang, de ses responsabilités,
de ce qu'il doit gérer au quotidien. Et il est surtout très conscient de la différence de classe sociale avec Elisabeth. Et pas de bol, il est tombé amoureux d'elle. Et je suis pas sûre que ce soit de l'orgueil. Je pense qu'il y a de grosses inhabilités sociales aussi. J'aurais tendance à le penser. Parce que... Alors là, est-ce qu'on va dire... S'il est orgueilleux, il est descendu de son piédestal pour se mettre un petit peu plus proche d'Elisabeth pour montrer que je fais des efforts, vous voyez, je m'intéresse à vous, on peut discuter, je discute avec votre oncle et votre tante, je vais pêcher avec votre tonton, je vous présente ma petite sœur qui avait été aussi, souvenez-vous, décrite comme orgueilleuse, alors qu'Elisabeth dit qu'elle est profondément timide. Est-ce que Darcy, il serait pas là-dedans aussi? Mais le père, bon, je pense que comme souvent avec quelqu'un qui a disparu, on enjolive un peu le personnage. Donc le père, il avait l'air d'être profondément proche des gens qui travaillaient pour lui. Il avait aimant et compagnie, droit dans ses bottes, etc. Et Darcy, il prend ce chemin-là également. Parce qu'il est vachement apprécié. Vous avez vu comme il est apprécié par les gens qui bossent pour lui. Elle en fait l'éloge. Mais l'oncle et la tante, enfin monsieur et madame Gardiner et Elisabeth n'ont pas eu l'impression que c'était quelque chose de forcé, qu'elle en faisait la promotion. Non, c'est mon patron, c'est un homme bien, je trouve ça chouette. Ce qui fait qu'ils ont commencé, même monsieur et madame Gardiner, donc madame Gardiner qui avait déjà parlé aussi à Wickham et qui n'avait que le point de vue de Wickham, madame Gardiner a commencé à changer d'opinion aussi sur Darcy, qu'elle ne connaissait pas. Hein. Il ne semble pas qu'ils connaissent. Non, ils ne se connaissaient pas. Ce qui fait que là, le truc que je trouve aussi vachement intéressant comme thématique, je crois que ça doit être une thématique qui court un peu sur tous les bouquins de Jane Austen, parce qu'elle était déjà présente dans Raison et Sensibilité, c'est la question de la réputation. C'est qu'ils ont une réputation à tenir. Et là, vous voyez, on est dans une famille, la famille Bennett, qui est quand même plus dysfonctionnelle. Bon, chez les Dashwood, c'était pas beaucoup mieux avec le frangin, mais c'est un peu plus dysfonctionnel, à mon sens, que les Dashwood. Donc les Dashwood, c'est la seconde femme de Monsieur Dashwood. Donc Madame Dashwood a eu 3 filles du second mariage de Monsieur Dashwood. Monsieur Dashwood meurt, donc là on n'a qu'une famille de 3 femmes, mineures légalement, ce qui fait que c'est un parent mâle qui doit s'occuper d'elles, donc les entretenir, leur donner un logement, leur donner une rente pour qu'elles subviennent à leurs besoins. Et le frère, donc c'est le demi-frère des trois sœurs Dashwood, et ben le frère il n'a pas envie de leur lâcher du pognon, parce que ça devait être galère quand même, ces fameuses lois, parce que imaginez que là c'est quand même 4 personnes à loger et nourrir. Imaginez que dans un second mariage, un homme ait 10 enfants. Vous imaginez? Ça devait être une sacrée galère. Hein. Une femme, un mec qui se retrouve, bon, il avait certainement des rentes, etc. Mais un homme qui se retrouve en charge, boum, comme ça, d'une famille de 10 ou 12 personnes, alors qu'il a peut-être déjà la sienne, qu'il est marié, qu'il a des enfants, ça devait être sacrément galère. Ça devait en foutre dans la merde, financièrement. Mais bref, je m'égare. J'ai beaucoup aimé comment Darcy... Il est proche d'Elisabeth quand Elisabeth fond en larmes devant lui. Parce que je pense que là, il arrive, il reçoit un peu tout ça, genre, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, Wickham, il est parti avec la petite et compagnie, donc il est déjà en train d'accuser le coup. Est-ce qu'il n'est pas en train de se dire, merde, j'en suis responsable? Est-ce qu'il n'est pas en train de dire, faut que j'essaye de soutenir Elisabeth, mais en même temps, pourquoi il est parti? D'après vous, je dis rien. Je ne dis rien. Mais je pense que Darcy, en partie, se sent responsable de ça. Parce que il est trop honnête
pour aller encore plus salir la réputation de Wickham, alors qu'il aurait pu tout à fait aller baver, mais enfin, ça aurait été bavé avec raison, dire un peu à tout le monde, non mais faites gaffe à lui, hein, c'est un gars qui c'est un séducteur, il sait pas gérer son pognon, il ment et compagnie, il manipule, faites gaffe à lui. Il aurait peut-être même pu empêcher Wickham d'entrer dans l'armée. Donc vous voyez, ça ouvre plein de choses. D'après vous, qu'est-ce qui peut arriver par la suite? Parce que là, il y a Bingley et les frangines Bingley qui reviennent un peu dans la place. Les frangines, elles sont toujours adorables, n'est-ce pas? Je peux pas les blairer, c'est des connasses. Surtout la petite, la plus jeune, là, celle qui voulait se marier avec Darcy, qui est en train de se dire, oh putain, il est amoureux de l'autre, là. Donc, je vais bien répéter à Darcy qu'elle est quand même bien moche. Puis pas éduquée. Quelle connasse. Mais bref, ouais, j'aime pas du tout les Bingley. Enfin, j'aime pas du tout les sœurs Bingley, surtout Miss Bingley. J'aime bien la sœur de Darcy qui a l'air toute douce, toute timide, on la sent pas sûre d'elle. Peut-être plus adolescente un peu fragile que Lydia qui se la ramène tout le temps et qui ouvre son grand clapet. Donc Bingley revient dans la place. Elisabeth retourne en catastrophe à Meryton chez elle pour soutenir un peu la petite famille. Monsieur Gardiner et Madame Gardiner retournent aussi à Meryton. En même temps, ça tombe bien, leurs gamins sont là-bas. Vous imaginez le bordel? Parce que là, il doit y avoir Madame Bennett qui est au fond de son lit en train de pleurer toutes les larmes de son corps et de dire qu'elle a ses vapeurs et tout ça. Le mari, il est parti. Il y a les enfants, je crois que les Gardiner, ils ont 4 enfants, plutôt en bas âge, plutôt maternelle primaire. Et Jane, elle est avec tout ça, parce que ça m'étonnerait bien fort que Mary et Kitty puissent faire quelque chose là-dedans. Elles auraient, parce que à mon avis, Mary, elle va dire « Oula, cool, la bibliothèque, elle est dispo, j'y vais !» Et Kitty va dire « Oh putain, au secours, je vais aller à la ville !» Donc Darcy est partie comme ça. Qu'est-ce qu'il peut faire d'après vous? D'après vous, est-ce que Lydia est bien partie pour se marier avec Wickham, sachant que bah, ils n'ont pas de thunes, sachant que ça a créé un beau scandale parce que ce couillon-là, il part avec la gamine qui était sous la protection de son colonel, donc de son supérieur hiérarchique. Il est quand même pas très finaud, hein. Donc n'hésitez pas à me dire vos petites théories, si ça vous plaît. À demain pour ceux qui sont là aussi pour la peau de chagrin où ça sera le dernier épisode. Je précise juste pour la peau de chagrin, donc c'est le dernier épisode de la peau de chagrin, du lundi. Je vais sans doute faire une petite pause parce que je vais trouver du travail là, enfin je vais travailler dans les semaines qui viennent. Ce qui fait que ce qui va rester fixe, ce que je m'engage à faire, c'est de poursuivre les lectures du samedi autour des contes. Donc là, pour le moment, c'est Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf. On est d'accord, ce titre est très long. Je vais continuer Orgueil et Préjugés le dimanche. Les bouquins de Pastonbach, il me reste La Déclaration des droits des femmes de Olympe de Gouges, mais ça sera fait en une fois. Il y a Les caractères de la bruyère qui est long, c'est pas un roman, hein. Mais ça sera fait en plusieurs fois. Il y a un autre roman de Balzac, Histoire de deux mariés, qui va être long, parce que vous avez vu la Balzac, je trouvais ça long. Et il reste Le malade imaginaire de Molière et de Marivaux, L'île aux esclaves et je ne sais plus. Les pièces de théâtre, je me suis dit que j'allais les faire en dernier parce que ça va être une chienlit à monter. Mais donc, je vais faire une pause parce que dans l'optique où je reprends très rapidement du travail, je vais sans doute moins avoir le temps de tourner et de monter. Ce qui fait que le lundi, je vais commencer à le poster quand ça sera prêt. Enfin, quand j'aurai soit suffisamment d'avance pour être un peu confortable, soit où j'aurai tout monté et tout programmé et je vous mettrai un petit mot dans l'onglet communauté de la chaîne. À tout bientôt, rêvez tout grand, peut-être à lundi pour la fin de la peau de chagrin
Et passez un très bon dimanche, pluvieux pour ma part, parce que là, il fait vraiment un temps pas beau du tout. On se croirait en novembre. Bisous.